Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Afin d'entrer avec un cœur purifié dans notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur et par l'intercession de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, demandons-lui pardon pour n'avoir pas toujours vécu en fidèle témoin de son Évangile. La bienheureuse Marie-Anne Blondin n'a cherché durant sa vie que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Parce que nous cherchons trop souvent notre gloire plutôt que la gloire de Dieu et la croissance des personnes dans son amour, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. La bienheureuse Marie-Anne Blondin trouvait plus de bonheur à pardonner qu'à se venger. Parce que nous refusons souvent de pardonner ou d'accueillir les pardons qui nous sont offerts, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin trouvait tout son bonheur dans la communion à la volonté de Dieu sur elle. Parce que nous cherchons trop souvent notre bonheur ailleurs que dans la volonté de Dieu sur nous et sur les nôtres, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin a trouvé dans la contemplation du mystère de la croix la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d'accomplir mystérieusement la mission d'éducation que tu lui avais confiée. Accorde-nous par son intercession la grâce de trouver dans ton mystère pascal le véritable sens de notre existence et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta vie pauvre, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Suis une route droite et mets en lui toute ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Ceux qui craignent le Seigneur ont toujours le cœur prêt. Devant lui, ils s'humilient et disent, « Nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, car telle est sa grandeur, telle aussi sa miséricorde. » Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve.
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. C'est toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donc, l'Église honore la mémoire de Mère Marianne Blondin. Ceux qui ne le savent pas apprendront que j'ai un faible également pour Saint-Frère André. C'est difficile pour moi de parler de Mère Blondin sans parler de Frère André. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans la vie de chacune de ces personnes. Je vais vous en indiquer deux ou trois. La première chose, c'est que les deux sont quasiment analphabètes. Mère Marianne, dit-on, a appris à écrire à l'âge de 22 ans. Puis vous le savez, le frère André, ben, il pouvait lire, mais avec beaucoup de difficultés, et il était
quasiment incapable d'écrire. Donc, un parallèle chez les deux, l'analphabétisme. Mais il y a plus. Les deux ont connu beaucoup de tribulations. Et les deux personnes, on leur a donné souvent des tâches obscures, difficiles, qui étaient bien en dessous de leurs mesures. Et pourtant, ils le faisaient, ils accomplissaient ce qu'on leur confiait avec humilité. Deuxième mot-clé, humilité. Et il y a une troisième chose, je pense, qui est commune à ces deux grandes figures spirituelles du Québec. C'est la confiance. La confiance qu'ils ont envers Dieu. Et elle n'est pas petite, cette confiance-là. En toute chose, Mère Marie-Anne et Frère André cherchent à accomplir dans leur vie, à réaliser dans leur vie la volonté de Dieu. Je vous ai donné quelques éléments qui sont communs aux deux, sûrement en vous penchant sur la vie de Mère Marie-Anne et la vie de Frère André, vous pourriez à votre tour trouver beaucoup d'autres éléments communs. Et on pourrait continuer comme ça avec tous les amis, tous les gens qui mettent Dieu en premier dans leur vie. On trouve beaucoup de choses en commun et ça mérite qu'on s'y arrête. Amen. Qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans l'âme de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous te supplions humblement, Seigneur, accepte ces offrandes afin qu'à son exemple, nous vivions plus intensément selon l'esprit des béatitudes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos prières, dans nos cœurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Frère André, la bienheureuse Mère Marie-Anne Blondin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec confiance, nous osons dire à Dieu le Père, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ton Eucharistie. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Marianne Blondin, nous trouvions notre bonheur ici-bas dans ce sacrement de ton amour et dans l'abandon à ton admirable volonté sur nous. Nous te le demandons avec confiance, toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée. Et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.